24 janvier 81, sur la plus belle place du monde, départ du plus célèbre rallye du monde, le Monte Carlo. Les plus grandes marques européennes sont engagées. Jean Ragnotti, champion de France des rallyes 1980, une victoire au Charbonnier, au Lorraine et au Mont Blanc. Vous êtes cascadeur, alors finalement, conduire une R5 Turbo, une petite voiture comme cela, c'est très facile pour vous? C'est très facile parce qu'elle a conservé la maniabilité de la petite Renault 5 Alpine qui est classique, malgré qu'elle est maintenant en moteur central et une puissance très élevée. Et donc, sur les petites routes de l'arrière-pays niçois ou dans les Alpes, elle est très à son aise.